Alors, il faut que j'aille au sud, c'est ça l'idée. Aïe! Nouvelle zone, je présume? Le bois étoilé. Excellent! Je dois aller où? Oula, ça a l'air un peu labyrinthique. Bon, c'est pas aussi labyrinthique que Doom, hein, tu me diras, mais... Oula, nouveaux ennemis. Des chleux avec des RPG à tête chercheuse. J'ai dit des chleux, hein, j'ai pas dit les chleux. Salut Citizen. Elle est cool la musique. Et une grotte dans une grotte, ok ça marche. Putain, il y a une patate qui me tape. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tellement bon dans ce que je fais que j'ai une maison à 4 lits. Mais je ne peux pas dormir dans les 4 en même temps. Ce n'est pas une vie, je vous le dis, moi. Est-ce cela la rançon du succès? Peut-être. Accroché, ok. Putain, ils font mal les... Ah putain le... Ah, ah oui non, c'est une étoile, j'ai cru que c'était une porte à l'envers, vache. Aïe, putain, mais vie. Aïe, mais vie. Ah, qui c'est? Ah, il a... D'accord, ok. Ok, les cheveux, ils ont un bouclier. Ok, madame. Pas de soucis, madame. Pourquoi il y a écrit téléporteur alors que c'est pas un téléporteur spécialement? Ah, putain, je sais pas ce qu'il y a en bas. En bas, tout en bas, mais ça a l'air bien. Mais oh, c'est pas grave, on va y aller après. On va d'abord aller par le donjon, j'imagine. Alors, comment on tape les... D'accord. D'accord, mais ils sont invincibles. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Putain, il y a même des tentacules. Attends, on va repartir là-bas. Merde, mais quel con. Super. On va essayer d'aller tout en bas, voir ce qu'il y a. Comment on fait pour les... Je peux que les éviter, du coup. Ah, mais je suis con. Bah... Ah oui, là, c'est ça. Putain, mais j'ai une esquive. Quel trou de balle je fesse. Super. C'est pas très la joie, ça, non plus. Vous n'aurez pas un cœur, s'il vous plaît. Super, merci. Pas ça. Bon, on est presque tout en bas. Wouhou! Okay. Quoi? 24? Ah mais c'est parfait ça. Ok. Ah et là il y a un téléporteur. On va l'activer. J'imagine qu'il nous fait retourner en ville tout simplement. C'est ça. Grotte poubelle, prenez garde au Naverolais. Putain, il avait raison le mec, alors le prochain donjon c'est bien une grotte poubelle. Bon bah on y va. C'est hyper innovant quand même dans les grottes. Hein. Blurk. Moi qui trouvais des donjons qui sentaient déjà assez mauvais à l'extérieur. Ah non, hein, mais c'est moi ça. Je ne suis pas lavé depuis que je suis tombé dans la mare l'autre fois. Ah! Des intrus venus voler nos détritus. Immersion. Pour tout vous dire, je comptais en voler, mais maintenant je trouve ça déplacé.
La grotte poubelle. Oh, merci. On peut mettre le bâton au feu. Hein? Ah, non la cigare et non la. Là, là, Brinis. Là, ça se complexifie. Pourquoi c'est doré là? La plupart des donjons comportent des raccourcis nécessitant certains objets. Et je peux pas tous les allumer d'un coup là. Il s'annonce costaud celui-là. De toute façon, celui-là, je suis obligé. L'idée, c'est de savoir quoi faire de celui-là. Mais celui-là, si je le monte, je vais le bloquer. Et du coup, ça, je vais le bloquer là aussi. Ça me fait de belles jambes. Faisable? Non, je pense qu'il est pas faisable, il doit me manquer un objet. Merde. Du coup, par là, j'ai quoi là, par là? Ok. Ok. Ok, il reste assez longtemps allumé. D'accord, ok. Bon, là, c'est faisable. Bah, je pense. Ok, là, c'est fait. Attends, je sais pas comment te tuer, toi. Voilà. Mais attends, je peux lui renvoyer peut-être. Oh putain, laisse-moi réfléchir quoi, sérieux les mecs. Est-ce que je peux lui renvoyer son missile avec mon bâton de force? Mais non. Putain, j'ai pas eu le temps de voir. Ah mais t'es sérieux? Non mais on peut rien faire. Ah si. Oh mais ça a rien fait, ils sont protégés au bouclier. Ah ils sont peut-être trop lents. Ouais quand ils tirent c'est ça. Oh là là ça va être dur, quand ils tirent ils sont un peu immobilisés, j'ai le temps de faire le tour. Oh la vache. Merde. Donc l'idée c'est... Oh mais c'est chaud. T'es sérieuse? Allez, d'un coup, il y a un gap de difficulté hors norme, le machin, bidule. Ah, bah, au moins, ils se tuent un peu entre eux là. Ah, attendez, j'ai quelque chose qui sonne à la porte.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, je vais poser des dynamites. C'est exactement ça. Je regarde c'est quoi vite fait. Ah bah oui, je suis con. Oui. Je suis con, je regarde c'est quoi. Hop là. Ah ah. Je l'ai reçu, ça y est. On y jouera ce soir. Alors... Ah! Ah, j'en ai tué un! T'as raison, Dick. Des dynamites, ça a l'air de la dynamite! Ah ouais, d'accord, les dynamites sont tellement simples. Tellement swag, tellement simples. Ok, y'a rien. On y va. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? D'accord. C'est intelligent comme puzzle, ça. Dis donc. Alors, réfléchissement. C'est pas possible. Je suis obligé de pousser comme ça, droit en haut. Sur la gauche, mais si je pousse sur la gauche, je bloque tout. Là je... Là je vois pas ce que... je peux faire en fait. Que même si je casse celui-là, je peux pas le pousser d'ici. Mais oui, attends, je peux les pousser au bout. Sa mère, là, sa perlipopette de sa salope. Bah, ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, mais là, je peux pas, là. Ouais, donc c'est mort. Mais non. Ouais, ça va pas être si simple que ça, mais ok. Ouais, mais comment je... Ah mais non, je suis con, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Qu'est-ce que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure? Ouais, un quart de cœur, super. Attends. Putain, mais allez vous laver, quoi. Wouh. Tu vas dire ou quoi? Ah, il y en a encore. Oh putain. Ah c'est bon, je les brain. Non. Ah c'est bon. Oh putain, il y en a encore. Vous êtes combien dans cette salle? Oh non. Oh bah non. Je reviens d'en bas, non? Ah oui, c'est la porte qui était en bas, ok. Et en haut, il y a une clé. D'accord. Mais à droite, je sais pas ce qu'il y a. J'ai visité ça. Wow!
Waouh, calmez-vous! Elle sert à quoi cette salle? Ok, ça va être encore du 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette balle elle est différente des autres? Parce que je peux la détruire, ok. 1. 2. Comment je fais pour le 4? Enlevez les couilles au dobro, Zni. D'abord aller voir ce qu'il y a par là. J'imagine que c'est un cul-de-sac avec retour arrière. Ah non, pas vous encore. Ah putain, j'avais aussi peu de vie. Oh putain, c'était loin. C'est loin dans le donjon, la vache. Est-ce que j'essaie d'aller par là? Ah oui, non, mais il me faut un bâton enflammé pour vraiment... À moins que ça passe comme ça, non? Ah, ça passera pas. Ah, il me faut un bâton enflammé. Ok, je suis débile en fait. Ah. Bon, allez voir ce qu'il y avait là-bas, donc c'est par où? C'est par là. Bon. Alors, l'idée. On recommence. Ah oui, non, c'était là. Voilà, c'était là. Ah, c'est là que je suis mort. Putain, mais t'es sérieux? Oh! Oh là 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 là. Vous êtes combien là? Oh là là, t'es sérieux avec des pics autour? Comme si c'était pas trop dur. Oh là 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 là. Mais non, mais non, pas ce bouton là. Pourquoi t'as un mur différent toi? Ok, je reviens là-haut. Ah, je suis con, il y a un passage en bas. Ah, mais non. Ah, les numéros ont disparu. Moi, je suis en train de réfléchir, je fais pas gaffe à ce que je fais. Les numéros ont disparu, parce que peut-être que j'ai liquidé une deuxième énigme qui a annulé la première énigme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un téléporteur, ok. C'est intéressant. Vous avez reçu l'épée de feu. Elle affiche plus de dégâts et brûle perpétuellement. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Ah bah ça, on va mieux plaisanter maintenant, les bandes de petits navets relais. Quels sont.
Et du coup, là, j'ai brisé l'énigme de l'autre côté, d'accord? On peut casser les énigmes dans un autre sens si on n'y arrive pas. C'est bien ça. Alors. Et voilà, là, l'énigme, elle est beaucoup plus simple. Alors. Alors. Faut que je bouche les feux. Ah bah oui, forcément. Ah non, c'est bon, il suffit juste qu'il touche. Ah ouais, mais je... Ah oui, c'est bon. Ah ah, je suis trop intelligent. Ah non. Non, non, je raconte des conneries, je suis pas trop intelligent. On va recommencer. Réfléchissement. De toute façon, si je peux faire changer de... Mais non. Je peux les faire changer d'angle. Ah, mais là, c'est foutu. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Ah ouais, mais là, ça marche plus. Oh là, ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, pocket, pocket! Putain, ils font des trucs de Ryu là! Pocket, pocket! Oh, mais vie! Je veux bien une recharge de vie à l'occasion, les gars! S'il vous plaît! Oh non, pas vous! Oh non, pas vous! J'avais un quart de cœur, qu'est-ce que je fasse? Il est balèze ce donjon! Ok, donc tout à gauche. Le cœur! Ah, il y avait un cœur, putain, j'ai pas fait gaffe. Heureusement, faut pas refaire les bidules. Une fois qu'on a la technique, ils sont vraiment simples, hein, alors qu'ils me faisaient hyper peur, les mecs. Super, c'est maintenant qu'ils me donnent ça, c'est génial. Merde. Aha! Ils sont vraiment intéressants les puzzles, hein. Ils sont vraiment inventifs et Mais qu'est-ce que c'est que cette patate encore? Il y a un objet et une boîte de crayons cachés dans chaque donjon. Les avez-vous tous trouvés jusqu'à présent? Oh! Je sais pas si j'ai fait tout le donjon, on verra bien s'il y a une couronne qui apparaît. Donc j'imagine que c'est le boss. Ah, c'est retour de elle. On dirait la méchante de Sailor Moon. Sailor! Ce ne serait pas la brute complètement dingue et sa mangouste magique encore en vie, on dirait? Dis, Tipsy, ça serait pas la robot qu'on a déboulonnée la dernière fois? Elle nous suit ou quoi? Possible, sûrement une fan du jeu.
Je suis la grande cyber Jenny. Vous savez combien je suis payé pour ça, bande de rigolotes? Ça m'est égal de gagner, de perdre ou de parler au petit peuple. Autrement dit, ton excuse pour avoir perdu, c'est que tu ne faisais pas de ton mieux. Ben dis donc, quelle excuse moisie. Ne me prenez pas la grosse tête pour une simple petite victoire, mes mignonnes. Allez, on se la donne. Thunderbar. Oh! Ah putain, mais ils sont à tête chercheuse. Wouhou! Ah, je peux pousser la dynamite aussi. C'est bon, ça va. Par contre, je me suis fait exploser, hein, mais bon. Je me suis fait exploser, ok. Mais bon. Ah mais je vais la essayer de la keblo dans un coin et la miss. C'est aganime la machine. Putain mais elle fait trop mal sa salope. Merde. Oh non mais quel con. Micro des cœurs, putain elle est facile en plus. C'est ça, mais non mais quelle nouille, c'est tellement simple en plus. Oh non. Mais non, mais je suis débile. Mais non, mais... Ah, mais c'est chaud. Alors que c'est tout simple. Oui, c'est très bizarre hein, ce que je dis, mais je comprends. Non, je peux pas tuer les missiles, ok. C'est bon, ça va, remarque. Je suis pas en face. Raté! 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 Ah mais je suis con. Oh j'ai pas le temps. Oh j'ai pas le temps. Oh là là. Vous avez reçu la quatrième partie d'un radeau, assemblez-en 8 pour former un radeau entier. Ouais, je le savais ça, Dick, c'était un vrai bordel pour se comprendre là-bas. Quand j'y suis allé, quand j'ai fait un tour à la mer Noire.
Bien sûr, il nous reste un tas de choses à casser et des parties de radeau à trouver. Ah, j'aurais dû me douter que c'était vous qui résoliez mes donjons. Arrêtez immédiatement, vous savez le temps que ça va me prendre pour nettoyer tout ça, bande de nigodes mal élevés. Pas vraiment. Je ne prends pas part à ces conversations. Soit, je verrai ce que vous puissiez terminer cette aventure. Maudit démon. Dis donc, j'espère que ce rabat-joie sera un boss de donjon, comme ça je pourrai le taper. Nickel. Mais non, dégage. On va quand même continuer à visiter un peu la zone, parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose de la zone. Là, il y a une grotte. Wouhou! Wouhou! D'accord, ok. Prévenez, merde. À quoi les services ghost? D'accord. Je suis où là? D'accord. À quoi il sert ce plan? Ça fait un peu la Star Road, non? Ça pas. Cours gelé, prenez garde à la génie d'exterminatrice. Ah d'accord! Aïe, ah, salope, y'en a un qui me bloque le chemin pendant que l'autre il me. Oh le salope! Putain, mais c'est loin! Quoi, tout ça pour ça? Merde, y'a un truc à gauche aussi. Ah, faudra que je regarde le lien, faudra que tu me le mettes le lien sur Facebook. Il y a une odeur qui flotte dans l'air, ça sent l'aventurier. Ah, regarde, c'est un nouveau niveau, d'accord, mais c'est absolument pas là que je dois y aller. Ok, c'est bon à savoir, mais pas tout de suite alors. D'abord aller à gauche. Une vraie aventurière, voici mon indice. Occupe-toi des choses qui ne sont pas à leur place à la cour gelée. C'est tout, putain. Tout ça pour ça. Ah bah j'irai après à la cour gelée parce que c'est pas là qu'on me demande d'y aller. Ah mais je connais ce coucher moins bête. Ça me revient, mais je le connais. On va aller vers le haut. Je suis l'intelligence même. Vous avez reçu un fragment secret. À quoi sert ce fragment? Quelle idée. Bon, on va aller vers le haut. Ou vers la gauche. Dans la forêt là, qui a l'air bizarre. Et on va remonter plutôt vers le haut. Chose dans la forêt. Là, y a pas de... Ah si, y'a une caverne. J'allais dire, y'a pas de zombies. Yeah. Ma fille, les crayons, c'est la vie. Tu en trouveras au nord-est de la prairie piquante et à l'est de la rue déserte. Ok. T'es la méchante. Attends, voilà. Il devrait y avoir par ici une grotte qui mène à l'extrémité du sud des bois étoilés. Où peut-elle bien être? Ah merde, il y a une grotte secrète juste ici. Eh ben, on va y aller. C'est au nord de la forêt, à droite. Ah, déjà, au moins, ils meurent plus vite, hein, les mecs. Ah, pas vous. Ah, grotte secrète. Ok.
Qu'est-ce que c'est? Oh putain, j'ai presque plus de vie moi avec ces conneries. J'ai reçu un secret fragment, ok. Ah non, je reviens là! Je reviens là, merde. Ah, je la connaissais celle-là, Dick. Sur Charlie Chaplin. Alors, on va aller... passer par la gauche de la forêt, voir ce que c'est, et puis après on va remonter. Ça a le goût de jaune. C'est un goût le jaune? Donc. Donc, il y a une grotte secrète un peu plus. Donc c'est bien, il y a bien une couronne. On va aller au nord. Il y a une grotte secrète en droite. Est-ce qu'on peut y accéder par là? On va voir ça. Ah, la musique, elle est génialissime. Ça me fait un peu penser à Costume Quest, en fait. Il est un peu dans la veine de Costume Quest. C'est passé quoi? Qu'est-ce que ça servait pour obtenir des indices sur la résolution des énigmes? Une tenue? Trouver une tente d'essayage pour l'enfiler? Et où est-ce que je trouve... Oui? Quoi? Quoi? Et c'est quoi une tente d'essayage d'abord? De toute façon, il y a un autre... On va passer par le haut, là, par la route du haut. Puis on va descendre faire l'autre grotte secrète en contrebas. Oh si, je peux passer par là aussi. Oh putain, je l'ai one-shot maintenant. C'était là? Ouais, c'était par là. C'est pas là? Comment on y va, là? Maison du tutoriel. Y'a pas la cabine des sièges dans le... Ok, non, non. Comment? Y'a un secret derrière la maison pour accéder là au petit chemin là? Pour accéder au petit chemin là-bas. Ah, regardez, on dirait que côté de la forêt là, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est un secret. Il est.
Attends, c'est quoi ce panneau là? Ok. Ça me fait penser vraiment à Link Awakening quand même. Les abeilles ont un bouchon sur le. Je trouve ça génial. Ah merde, c'est pas là. Ah merde. Nom d'une banane flambée. Mais si. Ah merde, c'était en bas. Ah là. Bingo. Bingo. C'est ça. Et où est-ce que ça va nous mener ce truc? Attends, mais je l'ai passé la grotte secrète, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est ouverte là la grotte? Quoi? Ok. Bah ok. Si, j'ai pas tout compris. Ah putain, mais j'ai. Il y a une entrée dans cette maison? Et non, c'est plus grand que ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Quack! Les tenues que tu trouveras apparaîtront dans la tente d'essaisage sur la côte d'eau douce. D'accord. Quick, il y a une fille habillée en bleu pour qui parcourt l'île, mais elle n'est pas facile à trouver. Quick, il y a une sirène qui habite dans cette ville, mais il faut quelque chose de suffisant pour aller la voir. Alors attends, c'est où la cabine d'essaisage? Dans la tente d'essaisage sur la côte d'eau douce. Ah putain, il y avait un secret ici, la vache. Salut Kevin. Ah mais je l'ai pas trouvé le cabine des sièges sur la côte d'eau douce. C'est la plage en fait. Oh, par contre, je vous laisse profiter de la musique parce qu'il faut absolument que j'aille délivrer quelqu'un. Je reviens.
Merci pour le follow. Salut Dadune, merci pour le host. Hey, j'ai perdu deux fois. Qui s'intéresse de toute façon? Pas moi. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Ah oui, aller dans la grotte là-bas. Moi j'aime beaucoup Dick. J'aime beaucoup 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 l'aspect cel-shading un peu dessin conte pour enfants. Ça fait un peu comptine pour enfants. Super mignonne et c'est j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Avec la musique, ça rend trop bien. Merde, tu vas chat. Bon bah c'est ça alors. Ouais c'est ça, ok. Donc on recommence. Alors, ça. Ah, mais quel trou de balle. C'est ça, mais je l'ai mal fait. Faut d'abord pousser l'autre, ok, pour que je me laisse un chemin. Ça y a rien de compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Sokoban. Donc, je fais ça. Moi, je fais ça pour me laisser un passage, voilà, c'est ça. Du coup, je fais... Et non ? Si. Si. Ça. 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 Voilà. C'est ça. Magnifique. Mais non. Oh, oh putain, heureusement que ça remonte pas les bidules. Hein, ce genre. Encore un fragment. Mais qu'est-ce que je fais avec ces fragments ? Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une caverne un peu plus au nord là. Wouh! Ne dévalez pas les pentes avec le bouton roulal. Ok. Yeah! Ça sert ça. Ah, ça m'a fait un secret. Un succès. Stand in the stand et... Cool. Psst, hé, tu es déjà allé au jardin de traverse. C'est au sud-est d'ici. Hé. Pouroupiroupoum, pouroum. Ah bah tiens, bah, juste au sud et moi je... Changement de... C'est quoi là-bas? Oh, c'est la suite. Pas aller au sud, retourner à la côte, à la plage, voir où il est, où, elle est où cette cabine d'essayage. Ça m'intrigue. Aïe, aïe. C'est par là, hein. Ouais, et la... Grotte est... Dans les fougères. Dans le blé, je veux dire. Dans les fougères. Dans le blé. Putain, la vache. Maman! Mais non. Oh merde, il me faut reprendre là. Alors attends, c'était où? Ah c'est bon, je peux aller directement à gauche.
Tranquille, toi, il pleut, pizza, trouille, et puis tu lis. Les poissons paquets, il n'y a plus de dangereux que dans les champs du lift. Salut Smok. Salut Twig. Encore, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Ah, c'est peut-être ça les fragments sur les stèles où je vois 8. Il y a une stèle, il y avait 24, c'est-à-dire qu'il y aurait 24 trucs comme ça à trouver. Ah putain, il y a une grotte juste au-dessus. Une grotte ou une maison d'ailleurs. Je sais pas, déjà allé là. Super, une aventurière, j'ai une astuce pour toi. Tu connais les colonnes musicales, il faut les frapper dans l'ordre croissant. Oh. Salut Wunchi. Il est vraiment génial ce jeu, c'est un régal, c'est vraiment la surprise attendue. Bon, il est où cette cabine d'essayage alors? C'est à gauche. Elle est où la cabine de siège? À moins que ce soit le truc tout en bas là. J'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Le reste c'est pas des cabines. À moins que ce soit la maison qui est là. Voilà. On rappelle plus... Non, la maison qui est là c'était l'espèce de bar. Tu sais, une mana qui mange une crème glacée, elle était pas là tout à l'heure. J'ai perdu des cornets de glace quelque part dans un donjon pendant que je visitais. Si tu le finis, je te donnerai toute ta santé. D'accord. Voilà, c'est juste la barre. Y'a rien. Quoi cette histoire des cabines d'essayage là? Ah, il devrait y avoir une tente d'essayage par ici, mais bon, je ne la trouve pas. Bon, ça ne fait rien, je vais prendre ma forme cracheuse de feu ultime juste ici. D'accord? Bah écoute. Bien tout ce que tu veux, mais je la vois pas ta cabine d'essayage. Tiens, on va relier les cartes là avec la droite. Ah, mais non, c'est donjon ça. Tiens, j'aurais pu croire ça, mais non. De toute façon, une cabine d'essayage ça ressemble, à mon avis, à peu de choses près, à une cabine d'essayage. Et là, j'en vois pas. Je vais relier la carte, voir où est-ce que ça donne. Ah merde! Ah merde, c'est de la plage aussi! Ah bah voilà, elle doit être dans le coin alors. Je pensais qu'on allait dans une autre zone. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Ah non, I'm Lojab. Hmm. Faut que je tape la table mais pas le tabouret. Enfin je crois. Ah merde, il y a un troisième. Ah mais c'est...
Salut Lobo. Ah non mais je sais. Et lui, je vais le pousser en diagonale. Oh là 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 là. Alors c'est quoi ça? Pleine de douleur. Oh. Wow, top, 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 top. Ok, tu veux jouer à ça? On y va. Ok, d'accord, oh, putain, c'est genre un espèce d'ultime défi de la mort qui tue avec des ennemis chiants. Oh putain. Je sais pas comment je vais faire pour le doré là. Oh putain, j'ai eu coup de bol. Eh, écoute, je vais pas me faire chier. Oh mais non.